La célébration du 51e anniversaire de l'État unitaire du Cameroun, ce 20 mai 2023, aura tenu toutes ses promesses dans le chef-lieu de la KDI. Elle a été faste et grandiose à la place des fêtes qui, comme de coutume, abrite la grande parade militaire et civile présidée par le préfet Jadai Yakuba. Il est exactement 10h lorsque le numéro 1 du département de la KDI foule les lieux des cérémonies. Il est accueilli par le sous-préfet de l'arrondissement de Batouri, le commandant de compagnie de gendarmerie, commandant d'armes de la place et le maire de la commune d'Essayan. Exécution de l'hymne national. Revue des troupes. Et installation à la tribune officielle. Suit alors la remise des décorations. 5 au total, dont 2 chevaliers du mérite camerounais et 2 de la force publique, ainsi que des médailles glanées par des sportifs du département lors des récentes compétitions nationales. Avant de faire place au défilé militaire commandé par le lieutenant Goa, officier adjoint des Pandors de Batouri, constitué d'un carré de la gendarmerie, d'un carré des anciens militaires, de 2 carrés de la Sûreté nationale, d'un carré des hommes de l'administration pénitentiaire et enfin d'un carré du corps des eaux et forêts. Le défilé civil commence quant à lui par un bouquet spécial de 51 personnes issues des 4 aires culturelles du Cameroun, symbole de notre unité et de notre multiculturalisme. La grande parade s'est poursuivie par la participation de l'ensemble des établissements primaires, secondaires et socio-professionnels de la ville centenaire et ses environs, celle des associations culturelles ainsi que celle des partis politiques légalisés. En somme, c'est une parade qui a donné à voir toute l'unité et le vivre ensemble des Camerounais résidant dans le chef-lieu du département de la KDI.